Très sincèrement, je suis très ravi. L'arrêt de la Cour constitutionnelle d'assurer l'intérim de cette institution. Et je garantis au peuple de Guinée et citoyens de la Guinée que mes priorités, tout d'abord, c'est pour regrouper autour de moi les différents commissaires pour partir au programme et aller trop vite au niveau des élections locales. Vous vous y attendiez ? La durée de votre présidence, monsieur. Pardon ? Vous avez identifié la durée de votre présidence en attendant qu'il y ait un dénouement pour cette crise. Pardon ? Si vous avez été notifié la durée de votre présidence. La durée n'a pas été notifiée. C'est lorsque la Cour constitutionnelle va étudier le fond du dossier. C'est en cela qu'il va donner réellement la clarité par rapport à la réponse positive ou négative. Et dites-nous, vous vous y attendiez à cette nomination? Non, je ne m'attendais pas. Je suis dans le grand groupe de M. Salif Kébel. Donc, je suis la troisième personnalité désignée par la société civile. Alors, est-ce que vous allez regrouper autour de vous ces protagonistes, en tout cas qui étaient en phase de la requête de ce poste? Nous constituons une famille. Ça veut dire que les 25 commissaires constituent une famille. C'est en cela que nous allons avoir une mission régalienne, à travers quoi, d'un moment à l'autre, nous allons nous attirer à l'organisation des élections locales et donner le programme à nos parties prenantes aux élections locales. Il n'y a pas plusieurs stratégies ici, la stratégie est déjà définie. On a une mission régalienne au sein de l'institution. La seule stratégie, c'est de faire en sorte que je m'entoure de façon loyale des francs-commissaires pour une organisation de l'élection transparente.